Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, c'est au terme d'une année de travail de réflexion collective depuis l'ouverture des États généraux de l'alimentation le 20 juillet 2017 que nous abordons ensemble cette seconde lecture du projet de loi EGalim par notre Assemblée. Les conclusions des États généraux de l'alimentation ont très largement inspiré l'écriture de ce projet de loi, nous l'avons déjà dit, et ont servi de feuille de route à nos travaux législatifs. Les acteurs du monde agricole et nos concitoyens y ont exprimé des attentes fortes auxquelles nous devons répondre. Je m'exprime devant vous en tant que rapporteur pour avis du titre 2 du projet de loi EGalim et au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous le savez, les travaux et débats au sein de la Commission du développement durable ont été particulièrement riches, longs et féconds, et je tiens à insister aussi sur le fait que nous avons associé l'ensemble des groupes parlementaires et pris en compte leurs attentes dans ce projet de loi et dans nos travaux. Nombre de nos propositions ont donc été confirmées et adoptées ensuite par la Commission des affaires économiques, et je salue évidemment le travail de Jean-Baptiste Moreau, le rapporteur, constamment à l'écoute de nos propositions, et de Monsieur le Ministre, bien entendu. Et donc, toutes ces propositions, adoptées aussi en Commission des affaires économiques, en séance publique fin mai par la suite, traduisent par là les fortes convictions politiques qui les animent et l'adhésion qu'elles ont pu rencontrer. Donc, la mesure phare de ce titre 2, sur laquelle je souhaite insister aujourd'hui, concerne notre modèle de restauration collective publique et l'article 11 du projet de loi. Conformément aux engagements du président de la République, l'article 11 inscrit dans la loi un objectif de 50% de produits sous signe d'identification de l'origine et de la qualité ou de mention valorisante, dont 20% de produits issus de l'agriculture biologique servis dans la restauration collective d'ici 2022. Cette mesure concerne plus précisément les cantines scolaires, les écoles, les lycées et les collèges, les hôpitaux, les EHPAD, les restaurants universitaires, les établissements pénitentiaires et vise quatre objectifs pour accompagner la transition agricole et alimentaire et aussi et surtout assurer une meilleure répartition de la valeur en faveur de nos agriculteurs. Le premier est un objectif économique. Il s'agit d'utiliser la restauration collective et la commande publique comme un levier essentiel pour accompagner la restructuration de certaines filières locales, de conforter l'ancrage territorial de l'alimentation en favorisant les circuits courts et les circuits de proximité, et d'assurer de nouveaux débouchés commerciaux pour nos agriculteurs. Rappelons quelques chiffres. La restauration collective représente presque les deux tiers des repas servis hors domicile chaque année en France, soit plus de 3 milliards de repas par an. Le montant de ces achats alimentaires annuels s'élève à environ 7 milliards d'euros. Donc la restauration collective est un levier économique puissant à ne pas négliger pour permettre à nos filières de production alimentaire française de capter les parts de marché significatives au bénéfice de nos agriculteurs. Cette mesure de l'article 2, du titre 2, pardon, l'article 11 poursuit également un objectif de santé publique. Nous souhaitons faire évoluer les pratiques alimentaires des Français en proposant une alimentation saine, durable et accessible à tous dans la restauration collective et en particulier dans les cantines scolaires. Et il est indispensable d'adopter dès le plus jeune âge des habitudes alimentaires saines et équilibrées, de familiariser nos enfants au goût et au bien manger et en cela un étiquetage simple. Un affichage sur l'origine et la composition des produits dans les cantines a été proposé et adopté dans le cours de nos travaux en commission. Le troisième objectif de cette mesure est environnemental et nous devons accompagner la transition environnementale de l'agriculture vers des modèles plus durables, notamment par une amplification des démarches officielles, donc agriculture biologique, certification haute valeur environnementale, et en privilégiant l'approvisionnement local, avec moins d'empreintes carbone, les achats responsables et plus équitables. L'impact de cette mesure sur le gaspillage alimentaire doit également être souligné. Rappelons aussi, si besoin était, grâce à une étude de l'Association des maires de France auprès des communes et des intercommunalités, que les initiatives prises en faveur d'une alimentation de qualité dans les cantines permettent une réduction de 80% du gaspillage alimentaire, une intégration de la cuisine de marché
produits bruts, en vrac, frais et de saison, et une meilleure adéquation entre les volumes achetés et les besoins. Enfin et surtout, nous poursuivons un objectif de justice sociale. Nous voulons faire de la restauration scolaire une école de la citoyenneté alimentaire et du bien manger pour tous. 50% de produits bio, locaux, sous signe de qualité dans la restauration collective d'ici 2022, ce sont des repas plus sains et durables pour 7 millions d'enfants chaque jour dans les cantines. C'est une mesure juste et c'est une mesure équitable, car elle permet de lutter contre la précarité alimentaire qui touche, vous le savez, un grand nombre de familles en France et pour lequel l'alimentation, l'alimentation est devenue la variable d'ajustement du budget du foyer. Je vous remercie, Madame Avec la députée. Avec cette mesure, nos enfants mangeront mieux et c'est un vrai progrès. Bon, je continue, vous continuez alors. Par rapport à aux autres inscrits. Oui, non, mais parce que par rapport aux autres inscrits, mais vous pouvez continuer exactement. Merci. Excusez-moi, Merci je beaucoup. Vous laisse continuer. Merci beaucoup. Mais pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et nous avons conscience que l'implication des professionnels comme des consommateurs est essentielle. Il est indispensable de sensibiliser et de former les acheteurs publics, les gestionnaires, les chefs de cuisine aux pratiques que nous promouvons. De nombreuses initiatives locales, notamment encouragées par les collectivités territoriales, nous ont montré la voie et encouragé à maintenir dans la loi cet objectif ambitieux. Et si ces mesures traduisent les ambitions de notre majorité pour permettre une montée en gamme de notre alimentation quotidienne, elles doivent impérativement s'inscrire dans une réflexion globale sur notre modèle alimentaire. Le bien ou le mieux manger doit être accessible au plus grand nombre, indépendamment des conditions de ressources et des origines sociales. Et c'est pourquoi ce texte aborde dans son article 12 la question de la lutte contre la précarité alimentaire et de l'aide alimentaire, sujet auquel notre commission a apporté une attention particulière. L'agrément des personnes morales habilitées à recevoir les dons alimentaires fait désormais l'objet de protections renforcées et l'exigence de qualité des dons effectués par les distributeurs ont été relevées. Les projets alimentaires territoriaux, tout comme le programme national Nutrition Santé, intégreront un objectif de réduction du gaspillage. Nous demandons également aux entreprises de s'impliquer dans cette démarche. Dons alimentaires et lutte contre le gaspillage alimentaire feront désormais partie intégrante des critères de la responsabilité sociale des entreprises. Ce projet de loi comprend également plusieurs dispositions qui permettront de veiller au respect du bien-être animal, et ce, à toutes les étapes de l'élevage et de l'abattage. Il prévoit notamment l'amélioration de la procédure de lancement d'alerte et la généralisation des responsables de protection animale dans les abattoirs. L'extension du droit pour les associations déclarées de se constituer partie civile, ainsi que la sensibilisation aux enjeux liés au bien-être animal dans l'enseignement agricole. Ces mesures permettront de renouer un lien de confiance entre les citoyens et les éleveurs, avec plus de transparence et de contrôle sur la chaîne d'abattage. Enfin, la Commission du développement durable a porté avec grande conviction nos objectifs de préservation de l'environnement et de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture. Outre la séparation des activités de vente et de conseil des produits phyto, nous avons adopté plusieurs mesures pour faciliter et encourager le recours aux produits de biocontrôle, favoriser la formation à l'utilisation de ces produits et encourager les changements de pratiques. Une mission de réduction de l'utilisation des produits phyto a également été fixée aux chambres d'agriculture. La définition des néonicotinoïdes a été étendue à l'ensemble, nous l'avons déjà évoqué. Et enfin, des mesures de protection ont été ajoutées concernant l'épandage de pesticides à proximité des zones d'habitation, avec une invitation forte à dialoguer entre les parties prenantes et à fixer des engagements dans des chartes de bonnes pratiques et de bon voisinage. Enfin, voici les principaux sujets sur lesquels nous avons travaillé au sein de notre commission. L'examen du projet de loi en commission des affaires économiques en juillet dernier a permis de conforter et de renforcer ces avancées. Un verdissement renforcé, des mesures agro-environnementales plus ambitieuses pour répondre au plan Ecophyto 2, une accélération du développement de l'agriculture biologique en lien avec le plan Ambition Bio 2022. Telles sont les orientations fortes et cohérentes que nous avons inscrites dans le projet de loi. Les travaux de notre Assemblée ont également permis de clarifier et de confirmer l'engagement de l'exécutif à accompagner un plan de sortie progressive du glyphosate sous 3 ans, en responsabilisant toutes les filières et les professionnels.
Certains sujets vont être à nouveau débattus durant la séance pour enrichir le projet de loi. C'est notamment le cas des mentions et indicateurs de qualité des produits alimentaires ou encore la rémunération des services environnementaux aux agriculteurs. C'était un engagement de campagne du président de la République. Plusieurs amendements ont d'ailleurs été déposés dans ce sens. Voici, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les principaux points et sujets que nous aurons l'occasion de débattre encore dans ce projet, dans cet hémicycle. Sur ce projet de loi que nous portons avec fierté et conviction. Je vous remercie.